Alors, cette crèche beaujolaise, cette crèche de l'église de Lanciers, a été créée au tout début des années 80 par Monsieur Loudin, Jean Loudin, qui venait d'être à la retraite et qui était énormément bricoleur, qui faisait beaucoup de choses, notamment le travail du bois, mais pas que. Et donc s'est investi très rapidement dans la réalisation d'une crèche. D'une crèche qui, au départ, hein, les premières années, était une petite crèche. Petit à petit, il a ajouté des personnages et puis est venue également l'intégration dans son milieu naturel, on va dire qu'est le Beaujolais, avec des ceps, avec du matériel vinicole. Et donc, très rapidement, et en tous les cas, en quelques années, cette crèche est devenue, on va dire, une institution, une référence pour les habitants de Lanciers. Et donc, ce qui était remarquable, c'est que justement, ces habitants, qui parfois n'étaient pas forcément catholiques ou catholiques pratiquants, se sont joints à ce projet qui est devenu un véritable projet de la commune et qui, depuis 40 ans, bah, fait le bonheur de nos concitoyens lancerons, mais pas que, puisque cette crèche est visitée très largement au-delà des frontières de la commune. Il y a énormément de gens qui viennent la visiter et je pense que c'est devenu quelque chose de précieux pour notre commune, qui fait partie intégrante de notre commune. Voilà, alors les visiteurs viennent bien au-delà de la commune de Lanciers, mais en tous les cas, la population s'est appropriée l'œuvre de Jean Loudin et je crois parce qu'il y a mis beaucoup de cœur, il y a mis beaucoup de sentiments. Et voilà, et aujourd'hui, ben, je crois qu'elle est complètement intégrée à la commune, elle fait partie de la commune, et en tous les cas, on y tient beaucoup, vous l'aviez deviné.